Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 274 de Stage 1 et nous allons jouer au jeu. Nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Hocus. D'accord d'ailleurs. Alors voilà, Hocus avec un H minuscule justement. Donc pourquoi elle apparaît comme ça dans ma liste de jeux, je ne sais pas. En tout cas, ils nous disent que Analog Stick is highly recommended et en plus on peut contrôler l'Analog Stick avec le stick. Donc si c'est pas beau ça, un truc que vous ne pourrez pas faire avec votre clavier. Highly recommended. J'enlève du coup ma souris du coin. Je connais pas du tout le jeu, ça a l'air d'être un petit jeu. Yup, mobile, on s'en fout. Le son, on s'en fout. Partager, on s'en fout. Et ben, on va lancer le jeu. En quoi cela consiste-t-il? Il y en a plein, ok. Et on va prendre bah, le premier. Just wipe. Ok. Niveau 2. Alors. Ok, donc on peut déplacer le petit cube sur la barre. Or just click, bon ça dépend. Hein. On peut cliquer, mais moi j'utilise mon analog stick, comme ils disent. C'est vrai que c'est le terme générique pour ça. Available direction. Ok les perspectives. Ok donc là on vient d'avoir une perspective qui est un truc qui n'était pas possible. Quoique si on le tord un peu ça va être possible. Ah oui la forme impossible. Hein. Mon dieu je suis sûr qu'on va avoir droit à l'escalier. Oh, c'est un peu ça d'ailleurs. Ouah con de merde. Ok. Ah putain, ça fait mal au cerveau. Ça fait vraiment très très mal au cerveau. Alors. Pour l'instant, on y arrive. Pour l'instant, on y arrive. Je sais pas comment il arrive le jeu à gérer sa propre logique. Oui, bah on va là-bas. J'ai un peu du mal à voir comment lui il construit son. C'est parce qu'il faut bien quand même qu'il s'appuie sur quelque chose le jeu. Alors il est simple, la musique est simple, mais le jeu en lui-même c'est un truc what the fuck quoi. Un con ce bordel. Ce gros bordel. Waouh. Niveau 9. Regardez-moi le niveau 10 qui arrive après coup. Oh, un con. Allez vous faire enculer les mecs qui ont fait ce jeu. Ah ta mère. C'est un truc à faire mal à la tête ça. Vous croyez que vous allez passer en dessous? Eh ben non, pas du tout. Vous pouvez toujours courir. Un con de merde. Comment je fais pour repasser sur lui, moi? Ouh, je t'ai eu, toi. Allez, niveau 11. Ça rigole plus, là. Ça rigole vraiment plus. Ah, merde. Ah, comment tu veux dessiner ça, toi? Tu ferais pas lire un graphiste, mon gars. Tout est une histoire de perspective, évidemment. C'est la vie. C'est comme ça. Voilà, on est un carré, hein, donc pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, on a un carré, faut rentrer dans le trou, hein.
Donc au début c'était vachement simple et puis c'est un peu parti en couille entre temps quand même. Un tout petit peu. Mais genre un tout petit peu parti en couille. Ça y est, on fait un vrai carré là. Le carré qui est une étoile qui est un peu tout à la fois. Vous savez pas trop comment le regarder, si ça c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. On va y aller au feeling, à la chance mon gars. Et voilà. Et voilà, au feeling, c'est que du feeling. On est trop fort. Si j'arrive à continuer comme ça, on va faire quelques levels encore, et puis je pense que vous aurez compris le principe. Oh putain, non. Après, c'est le contrôle qu'il faut faire attention. Il est repassé par-dessus. Mais qui a fait ce jeu, sans déconner? Il y a des mecs qui se sont vraiment triturés la tête, quoi. Oh, c'est bon. Ouh, je suis arrivé, trouvé. Mais comment ça marche, sans déconner? Quelle est la logique de ce jeu? Là, tu te dirais, c'est tout simple. Et ben non, pas du tout. C'est un truc de ouf. Parce qu'il faut revenir par là pour pouvoir passer en dessous. Merde. Non. Pour revenir à l'intérieur, pour passer là, qui puisse nous permettre d'aller sur le deuxième truc. Ah non, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'on essaye de me faire faire là? Qu'est-ce qu'on essaye de me faire faire? Putain, comme ça n'a absolument pas de logique. Ah oui, voilà, évidemment, fallait repasser par là, pour revenir là. Et revenir ici, donc on est monté d'un cran, évidemment, et puis on n'a plus qu'à passer, hein. Évidemment, il n'y a pas plus logique dans la vie, hein. En fait, la logique du jeu, c'est qu'il n'y a pas de logique. C'est... voilà. Mais il n'y a aucune dimension. Là, c'est n'importe quoi. Passer d'un n'importe quelle dimension à n'importe quelle dimension. On s'en bat les couilles. Je me dis vraiment que le mec qui a fait ce jeu... hein, il devait vraiment, vraiment avoir un esprit tordu pour les inventer. Déjà, rien qu'inventer les niveaux, déjà. Oh, tu fais pas le malin là, tu fais pas le malin petit niveau. Allez, on s'en fait encore 3, j'essaye d'aller au 20ème et puis on va voir. Non, alors je monte et je vais là. Ah non, je peux pas, donc je reviens. Je vais ici. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire là? What the fuck? Thank you.
Alors, on va réessayer, hein? J'ai dit que j'allais essayer d'arriver jusqu'au niveau, mais... Attends. On est d'accord, là, c'est normal. Là, la question est de savoir, est-ce que je vais là? Non, parce que là, je peux aller nulle part d'autre que revenir sur mes pas. Donc, je vais là-bas. Là, est-ce que là, je peux descendre si j'ai envie. Et je peux aller sur celui-là. Et non, ça n'a pas de logique. De toute façon, il n'y en a pas. Regardez, regardez. Eh non. Ouais, on est en dessous. Eh ben non, et au-dessus. Ah non, je pensais que j'allais pouvoir passer. Puis non. Alors. On descend. Ah, ça fait mal au cerveau. J'ai mal. J'ai mal à mon cerveau. Et j'en suis à celui-là, quoi. Sans déconner. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Alors, on démarre là-haut. On démarre ici. On peut monter là, mais ça sert à rien. Donc on redescend. On va ici. On va là. On revient ici. On revient là. On peut pas aller plus loin. Donc je préfère aller là. Ici. Hop, cerveau. Et là, je peux aller nulle part. Donc je rentre dans mon cerveau ici. Et je reviens. Exactement là où j'étais tout à l'heure. J'ai pas avancé d'un copec. Il y a un truc que je dois rater. Faut bien regarder, le rond nous indique les mouvements qu'on peut faire là-haut. Je peux aller là-bas, là-bas, en bas. Ah, c'était là. Oh, c'était là. Oh, le fils de... Regardez-moi ces niveaux, quoi. Ces niveaux qui t'en feraient pâlir un schtroumpf. C'est facile celui-là, c'était facile. Niveau 19. Allez, on continue, on est fou. Je vous interdis de regarder ma vidéo si vous jouez à ce jeu un jour. Ce serait de la triche. C'est vrai, ce serait de la triche. Quand on y pense. Ouh! En fait, faut avoir de la chance. Soit ça passe en dessous, soit ça passe au-dessus. Allez, j'ai dit que je faisais le niveau 20 et que j'arrêtais la vidéo. Et qu'est-ce que c'était que ce bordel? Il fait chier. Yep.
François des messages à la con. Alors. Oh. Oh, bah non. Mais oui, j'ai bien vu un rominé. Donc j'ai plus qu'à revenir en arrière. À revenir sur lui. À revenir sur lui. Lui. Et c'est qui le papa? Ouais, con. Et voilà. On revient sur l'écran d'accueil s'il y en a un. Et nous avons joué donc à Ocus, Ocus avec un H minuscule, je ne sais pas pourquoi, il y a plein d'autres jeux avec majuscule, celui-là il a un H minuscule. Donc si vous le cherchez avec un H minuscule, j'insiste dessus, sur le nom de la vidéo, il sera avec une minuscule, de toute façon, sur le nom de la vidéo sur laquelle vous êtes, et je l'appellerai comme ça. Voilà, respecter c'est un choix sûrement. Alors on se dit à bientôt, si vous avez aimé ce genre de jeu cassette, j'en fais souvent des jeux comme ça, il y en a beaucoup beaucoup sur Steam, des jeux, dans des petits jeux, il suffit de pas grand chose, un peu d'imagination, mais je pense que là quand même pour développer ça, il doit falloir un cerveau un peu tordu, je pense que même l'ordinateur il a pas dû comprendre, parce qu'il faut quand même avoir une logique qui est pas la même suivant les... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut reproduire avec des volumes, avec des logiciels de modélisation quoi, c'est pas possible ça. Donc voilà, chapeau au mec qui a fait ça, ou au mec avec un X, avec un S aussi à la fin de mec. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à aimer, à commenter. Allez, salut !